Salut tout le monde, bienvenue pour mon tout premier test sur une GSX-R 600 de 2008. Alors c'est mon tout premier test sur ma chaîne. Dans mes premières impressions sur une sportif, ça fait vraiment bizarre comparé au Z750. On n'est vraiment pas branlé pareil quoi, on est vraiment pas dans la bonne position comme sur une Z. T'as plutôt le dos droit, mais là t'es tout penché, ça fait quand même bizarre en première impression. Ça fait à peine 5 minutes que je l'ai en main et c'est un vélo le truc, c'est vraiment un vélo, c'est vraiment léger. C'est un gros changement. On se sent vraiment bien. Je voulais simplement dire merci à mon pote de bien avoir voulu me la prêter. C'est vraiment sympa. Voilà, putain la vache. C'est vraiment énorme. Par contre, la position, ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression d'être tout petit, d'être sur une pocket bike, comparé à ma Z. Hein. Et j'ai les jambes qui sont hyper hautes, j'ai des grandes jambes, donc j'ai des grandes jambes, donc ils sont arrivés presque là. Ça me fait vraiment bizarre d'être les pieds sur le cale-pied comme ça, c'est hyper haut, donc ça fait vraiment bizarre. Salut. Eh bah oui, c'est ma Z. Donc voilà, ça fait vraiment bizarre. Oh, il est en plein feu, tiens, merde. Hop. Donc il m'a dit qu'elle fait 106 chevaux, si je me trompe pas. Et elle a trois modes, il y a mode puits, mode avec les vitesses, je sais plus trop quoi exactement. Donc si vous savez dans les commentaires, ben, dites-le moi, il y a trois modes. Et l'autre mode, je sais plus du tout, c'est mode sport je crois. Donc il faut les activer quand le moteur est éteint, bien sûr. Alors, ce qui est pas mal, on a sur le tableau de bord, on a la sixième vitesse. Hop, je me mets en 5, c'est marqué 5. Là je suis en 6ème. Bon, après on a les kilomètres heure, on a même l'heure, la température du moteur, c'est ça qui est bien ça aussi. Par contre je vois pas la jauge d'essence, je vois pas du tout la jauge d'essence, bizarre. Il doit pas en avoir. Moi ça me dérangerait un peu de pas avoir la jauge d'essence. Et ouais, ça m'a l'air d'être pas mal. Hein. Niveau conduite, ouais, là je me sens un peu plus en confiance. Ça c'est vraiment une bécane à arracher l'asphalte. Ça. Oh la vache, la vache. C'est léger, putain. Oh le changement. Ah putain la vache. On sent même pas le poids. Oh putain la vache. Ça c'est un sacré jouet ça. Oh la vache. Oh j'en reviens pas. Oh mais le poids un peu. Elle pèse que dalle. Je crois que c'est 160 kilos. Ce qu'il m'a dit. Elle fait 160 kilos. Et bah une Z750, je sais pas, mais aux alentours des 200, je pense, hein, parce que le poids. Attention, petits enfants.
Bon, il vient de l'avoir il y a 3 semaines, 1 mois. Bon, il m'a dit que ouais, c'est un vélo le truc. Tu vas voir la différence entre une Z et ça. Ouais, franchement, ouais. Là, franchement, oui. Là, c'est. Il n'y a pas de mot à dire, c'est léger, c'est une trottinette. Ouais, et puis prendre de l'angle, c'est. On se sent bien avec, hein, franchement, ouais. Il n'y a pas de mot à dire. Ça, c'est une bécane à avaler des kilomètres. Ouais. Copain, ça y est. Putain, ouais, ça me donnerait envie d'acheter ça, hein, franchement. Bon, au niveau aussi de la position des mains, ça fait vraiment bizarre. T'as les mains limite en V, quoi. Mais ça dérange pas tellement, hein. Je pensais que ça aurait vraiment gêné la position des mains comme ça, mais non. C'est pas si gênant que ça, hein. Donc c'est une GSXR de 2008 avec 20 000 km, bon, 19 000 et des brouettes, hein, bon, 20 000 km. Franchement, on se sent bien dessus, hein. Ça fait quoi, 15 minutes là maintenant que je suis dessus. Je me sens bien à l'aise, hein. Franchement, ouais, la prise en main, nickel. On va peut-être pas aller frotter du slider là, mais peut-être pas, c'est pas ma bécane, j'ai pas envie de me casser la gueule avec. C'est pas la mienne, donc je fais pas ce que je veux avec. Un grand merci à toi de me l'avoir prêté, hein. Parce que faut savoir peut-être que 2017, je vais changer de bécane. Je sais pas sur quel modèle je vais aller, mais faut que je teste. Donc si vous avez des motos aussi, vous voulez bien que je les teste, vous me le dites dans les commentaires ou en message privé sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Bon là, elle fait pas tellement de bruit. Il a mis une chicane. Il est en chicane, donc elle fait pas tellement de bruit. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ça, moi, ça fait plaisir de tester des bécanes comme ça, surtout quand t'as envie de changer de modèle. Ça te donne une petite idée. Par là. Là, ouais. Bon, on va tourner. Là, ouais. Bon, je commence à avoir un peu le poignet droite. Je commence à le sentir un petit peu. C'est pas une position que j'ai d'habitude, hein. faut le savoir. Ouais, prise en main, franchement, ouais, je suis vraiment impressionné, hein. Surtout par le poids, je suis impressionné. C'est un vélo le truc, c'est une trottinette, quoi. Ça pèse que dalle, hein. Ça c'est une machine à lever, ça aussi, je pense, hein. Je vais peut-être pas la lever parce que.
je teste. Ouais, ouais, putain, y a quoi mettre ses fesses derrière. Hein. Putain, la vache. Y a quoi mettre son cul derrière jusqu'à la butée. Ouais, franchement, ouais. Sacré bécane, ça. Bonne petite pointe. Go! Oh là 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 là! Oh la vache! J'ai même déposé ma Z 750. Oh la vache! Ah ouais! Je suis en plein feu ou petit feu là? Si là, je suis en petit feu. Vous avez les warnings aussi, le coupe-circuit. Bon, niveau freinage, j'ai pas testé, mais. Vous avez même le vérin de guidon, je sais plus comment on appelle ça, le vérin de direction, qui est complètement entre le T de fourche, quoi, complètement en dessous, je sais pas si vous le voyez là, dans la vidéo. C'est en cas où que, pour éviter de guidonner, quoi. Si, elle est bien foutue, hein. Allez, c'est parti, petite pointe. Oh le freinage! Oh putain ça freine! Oh putain sa mère! Oh putain ça freine ça aussi! Oh! Comparé au Z, oh le changement! Ah il y a du changement là! Oh la vache! Je suis impressionné! C'est la première moto en sportif que je teste! Oh franchement là ouais! C'est énorme! C'est du lourd, c'est du lourd. On se sent à l'aise au bout de 10-15 minutes, c'est incroyable. La prise en main, elle est incroyable. On va faire demi-tour. Franchement, merci à toi, hein. Franchement, ouais, là. Même pour tourner. Bon, pour le braquage, ça braque pas tellement aussi. Si ça va, ça va, ça braque. Ça braque pas. Ça braque pas. Elle braque mieux, ta GSX-er. On va essayer quelques petites courbes. Qu'est-ce que ça peut donner un peu une sportif en courbe. J'ai aucune idée, hein, donc. Oh là là, putain la vache, la vache. On sent que c'est une bécane fait pour. Hein. Là. Oh la vache, c'est une trottinette. C'est léger comme une trottinette. Oh la vache. Je suis surpris là, dis donc. Je suis vraiment surpris. Hein. Oh la suspension elle est dure. On sent qu'elle est dure. Hein. Oh la vache, la prise en main. Wouh! Oh là là, on se fait plaisir. Oh
vache. Oh, oh nom de Dieu, nom de Dieu. Oh putain, ça freine. Oh nom de Dieu. Oh putain. Oh lo 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 lo. Impressionné. Bon, j'ai essayé de bien me démerder pour ce test. Hein. Donc, il y en aura sûrement d'autres. Parce que j'ai envie de changer de moto pour 2017. Donc j'ai essayé de faire des tests quand je le pourrai. Donc excusez-moi qu'il n'y a pas tellement de vidéos sur ma chaîne. Bon, j'ai pas trop le temps. Et si ça vous a plu, ben, dites-moi dans les commentaires. Et si vous voulez que j'essaye votre moto aussi, pour avoir une idée pour la prochaine moto que je vais acheter, ben, ça sera avec grand plaisir. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt et à plus la famille.